trying to go crazy. Salut, je m'appelle Christopher Dobby, j'ai 23 ans, je viens de Paris 19e et je suis actuellement à Lone Plage en National 1. Moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai commencé dans le 19e arrondissement, au club du CSP19. Après j'ai enchaîné plein de petits clubs dans la région parisienne, ou de petits ou grands clubs parce que je suis passé par le Valois aussi, mais j'ai fait plein de clubs dans la région parisienne. Jusqu'à mes 18 ans où grâce à mon coach que j'avais en U20, Sylvain Fatfon, qui m'a envoyé à Poitiers, au PP86, auquel j'ai pu, du coup j'étais avec les Espoirs, enfin en N3, en étant N3. Ça s'est bien passé, j'ai pu signer mon premier contrat stagiaire au bout d'un an. Et après ça allait enchaînement par enchaînement, j'ai fait deux saisons en National 3 et après en National 2 avec les Espoirs, plus avec l'équipe pro. Et ensuite j'ai signé à Rueil Malmaison en National 1 et après à Dax. Et maintenant, je me retrouve cette année à Lone Plage. Chalon, c'est une équipe de bons basketteurs, mais c'est une équipe plutôt âgée, avec des mecs qui ne sont pas forcément en forme physique, notamment Jux là. Regardez, il n'y a absolument pas d'aile et pas de rocking. Et c'est pas des pertes de balles directes avec des contre-attaques. Il n'y a absolument pas de rocking. Donc, please, tonight, we stop, we are at home, we learn like a crazy group. Bichard, c'est pas un solide défenseur non plus. Turpin, c'est pas un solide défenseur. Regardez. Y'a rien de spécial, ça court, c'est tout. De base, j'étais plus orienté sur la Pro B. Ça n'a pas pu se faire et quand j'ai eu des contacts avec le club de Lone Plage et notamment avec le coach Thibaut, ça a tout de suite accroché et j'ai vu déjà la construction de l'équipe et comment l'équipe tournait et je me suis tout de suite dit que c'était une équipe avec laquelle je pouvais matcher. Catégorisé comme shooter, mais enfin par certaines équipes, mais je me considère pas trop comme ça. Je me suis plus un scoreur global. Je peux plus ou moins tout faire, même si c'est vrai que effectivement je reste souvent derrière l'arc à 3 points. Après, je pense être un bon défenseur et un bon rebondeur aussi. Donc je fais un peu tout, je suis polyvalent. J'essaye de m'adapter aux besoins de l'équipe, mais notamment surtout un scoreur à 3 points. J'avais des propositions sur des équipes catégorisées comme haut de tableau, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait d'aller dans une équipe, dans une armada pour avoir être backup ou avoir 20 minutes de jeu par-ci par-là. C'était pas quelque chose qui me donnait envie. Et puis quand, comme je l'ai dit, le coach Thibaut il m'a appelé, il m'a proposé le projet. J'avais déjà vu le recrutement, notamment de Roland Anderson, qui est un poste 5 référencé dans la division. On sait que dans cette division, les intérieurs et les postes 5, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, la dynamique de l'équipe, le style de jeu de l'équipe me donnait envie de jouer. Donc j'ai pris ce risque-là et pour l'instant, c'est payant. J'ai envie de dire que c'est un peu progressif. Hein. Sur la première saison, j'étais pas trop catégorisé comme scoreur puisque j'étais arrivé en tant que 9e, 10e homme. Il fallait que je fasse mes preuves. Donc j'ai pris d'abord ce que j'avais à prendre, c'est-à-dire des minutes en tant que défenseur, je défendais, je faisais le sale boulot, je prenais des rebonds, je courais. Et après ensuite, concours de circonstances, un blessé par-ci, un blessé par-là, pareil à Dax, qui m'ont permis de monter en puissance. C'était pas
confiant de ce que tu sais faire, tu vas jamais réussir à le faire, donc il faut avoir confiance en soi et vas-y, faut shooter ce que tu as à shooter et puis voilà. Bah, le premier objectif officiellement d'un club qui monte de National 2, c'est le maintien. Maintenant, nous, notre objectif personnel de l'équipe, on savait très bien qu'il n'y avait aucun maintien qui... On voulait pas le maintien, on voulait les playoffs forcément. Et maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On gagne des matchs, on a 6 victoires de suite, donc là, forcément, on est deuxième, seul deuxième. On aimerait se qualifier directement pour la poule haute, pour être assuré déjà d'être en playoff sur la fin de saison et pour pouvoir jouer les plus grosses équipes. Quand tu es un basketteur, tu as envie de jouer les meilleurs joueurs. Donc pouvoir jouer des équipes comme Rouen, Le Havre, Caen, et puis c'est des salles aussi qui font rêver. Donc ouais, c'est le top 5 maintenant et advienne qui pourra. Si on doit gagner les playoffs ou terminer premier de la saison régulière, on le fera, hein. on va pas se priver. Allez, tout allez, Là, franchement, t'es arrivé sur un jour où, comme par hasard, ouais, comme par hasard. Là, il a jamais neigé, et là, il neige. C'est là, cette année. Donc là, c'est Antoine Rozeski, qui est mon pote. Antoine Rozeski qui a un système pour lui ce soir. C'est important de le préciser. Pourquoi ce soir? Et en fait, il a juste mis maintenant, parce qu'il commence à prendre du galon, tu vois. Et il devient vraiment trop fort. Là, il y a eu un... Tu pourras mettre l'article de Programme Média, là. Enfin, la vidéo de Programme Média qui dit que c'est vraiment un joueur très fort. Voilà. Il est humble en plus. Il est humble, il fait comme si, tu vois, comme si. Ouais. Ah, c'est pas vrai, c'est tout. C'est vrai. Attends, c'est pas vrai ce qu'il a dit, Hervé, sur Prime Media. Il a dit un truc, non? Il a dit quoi? T'as un menteur, t'as pas regardé la Prime Media? Gros, hey, je l'ai envoyé, il m'a dit oh là là, c'est trop mignon, tout ça ce qu'il a dit. Il est content, gros. Je vais montrer les snaps après. Et là, il y a Clément Pinte, enfant du pays. Voilà, depuis 15 ans au club. C'est le boss de la ville, quoi. S'il a besoin de quelque chose, faut lui demander à lui. Et CM, c'est lui qui s'occupe de réseau. Et c'est aussi le roi du fermage de bouche. Quand il met un 3 points, il regarde le banc. Il met son ensemble. Et détaisez-vous, il a fait ça contre une équipe de Pro B quand même. Pour vous montrer les couilles qu'il a. C'est toi te mettre à fond dans le 3-3 aussi. C'est quoi se mettre à fond? C'est faire que du 3-3? Non, mais pendant l'été. Pendant l'été, tout le temps 3-3-3. Cet été, c'est sûr que je vais mettre tout l'été. Là, l'année, j'ai pas fait beaucoup de tournois, j'ai dû en faire 5, plus l'Open de France. Là, je vais tous les faire. En plus, on a un Guadeloupe. C'est sûr. On se rappelle de votre performance cette pitoyable. Pitoyable! Incroyable! Non, on peut même pas parler de votre performance. Contre Clermont, on a joué contre l'équipe de France, on a perdu de 1 point au buzzer. Et d'ailleurs, on a perdu après une fausse qui n'a pas été citée sur moi. Attends, Armand, c'est quoi l'excuse? Armand s'est fait brosser, tu vois. Armand, on s'est fait boire, c'est tout, gros. On était gays, on s'est fait fumer. En plus, après PE, là. PE, d'ailleurs, aussi, il voit ça, là. Il s'est mangé un. Quand il s'est mangé la fin, il est tombé, il avait comme ça. Heureusement, il l'a raté. Donc, est-ce que tu penses que le streetball, ça t'a aidé à performer à ce niveau-là? Ouais, bah à 100% parce que j'ai, techniquement peut-être pas, que ce soit techniquement, mais mentalement c'est ce qui m'a le plus aidé parce que quand tu joues dans la street, quand t'es petit, toi tu connais Chaumont, tous les gyms comme ça, t'arrives, Tristan Tzara, t'es un petit, t'as le ballon, on te laisse pas jouer gros, c'est-à-dire si tu veux jouer et avoir le ballon, c'est que dès qu'on te donne le ballon, faut marquer, donc c'est si tu marques pas, t'as plus le ballon, t'as pas le choix de marquer, donc tu shootes. Et au bout d'un moment, bah, tu prends confiance et c'est comme ça, c'est grâce à ça que j'ai pris cette confiance que j'ai à prendre des shoots. J'avais 13 ans, j'allais à Chaumont, je jouais avec des grands de 25. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu confiance en moi et c'est grâce à ça que maintenant, quand j'arrive, même demain si j'arrive en pro, ça ne bougera pas, j'aurai toujours cette même confiance. Même si je suis un joueur assez intelligent pour non plus pas faire n'importe quoi, parce que des fois aussi le streetball, je pense que ça... Matrix aussi certaines personnes qui derrière après pensent que le streetball c'est le vrai basket, tu vois. Il faut être aussi trouver un juste milieu, ce que je pense j'ai réussi à faire, tu vois. Donc trouver son rôle au bon moment, tu vois, et savoir quand faire aussi bien sûr le fou que tu peux faire en streetball. Et ouais, France, je pense que sans le streetball, ça m'étonnerait que je sois aujourd'hui en N1 et en professionnel quoi. Devant. Ouais.
c'est le drip, c'est le game day drip. Game day drip, tu connais, non? Si vous avez besoin d'un styliste, là-haut sur Instagram. C'est important. On fait la pub comme on peut. Mike, ton numéro de maillot, c'est 19. Ouais. On voit que tu représentes le 19. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet arrondissement? Bah, le 19, c'est un état d'esprit, tu vois. Je pense que dans n'importe quel quartier de France ou de Paris, tu verras jamais autant de maillots avec floqué numéro 19 dans le dos. On est matrixé là-bas parce que c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est un état d'esprit. Toi-même, tu as du 19. On a grandi dans des endroits qui n'étaient pas forcément les meilleurs endroits, tu vois, pour grandir. Quand tu t'en sors, ou même quand tu t'en sors pas, tu vois, c'est, on va dire, une famille, tu t'entends bien, tu vois, c'est... Moi, j'ai grandi dans une cité, du coup, forcément, et il y a un mood qui se dégage de là, un mood, j'ai envie de dire, de guerrier, qui te donne envie de te battre, parce que t'as pas le choix quand t'es de là-bas, et forcément, bah, ça te pousse, et moi, je sais qu'on va dire, le 19e m'a apporté, je parle du streetball là-dessus, mais le 19e aussi, ça m'a énormément apporté, toutes les rencontres que j'ai faites à l'intérieur, que ça soit, bah, justement, avec l'Ol Parisien, Bakary et Paul, etc., c'est ça qui m'a apporté aussi à avoir confiance en moi aussi, quand tu sors de plusieurs galères et que tu arrives à sortir de ça, etc. Que quand t'es petit, on te donne pas tout, on te sert pas tout sur un plateau, à l'école, tout, c'est pas les meilleures infrastructures. Donc quand tu arrives à t'en sortir, t'es encore plus heureux d'avoir vécu ce genre de choses. Et donc du coup, je suis encore plus fier d'avoir grandi dans le 19e. Et j'espère à l'avenir, je sais pas ce que je ferai dans ma carrière, tu vois, mais à l'avenir, pouvoir aider un maximum le 19e arrondissement, que ce soit dans le basket, dans le sport ou autre, tu vois, parce que je trouve que le 19e, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et j'aimerais bien lui rendre l'appareil un jour ou l'autre. Full court pressure. Les deux meneurs de jeu, c'est pas des dragsters. De tout point regard, I'm not very quick, so please, put pressure like a crazy. Take care of your fall of court, but put pressure for the minutes. Les extérieurs, c'est pareil, vous coupez. Remember, whatever happens, if I take a shot from here, hey please, the ball leave right away, you take the sprint back. Hein. Tout de suite, on est sur le repli défensif. Le terrain, encore une fois, il va vite de l'autre côté chez eux. Hein. Il court vraiment fort. Hein. Les drivers first, Davis, d'accord. Même s'il peut mettre à 3 points, fast break, rebound, il push the ball like a crazy, so slow down this guy. Ok, je répète, hein. Tough game tonight, hein. We can put this team at 3 wins from us, hein. But guys, we have no pressure, they have the pressure, we have just win 2 times in a row, so guys, hey, same ready, hein. To fucking spirit, let's go! Il m'a recruté pour, entre guillemets, pas faire ce que je veux, je vais pas non plus mentir, mais pour me laisser jouer mon jeu. C'est pour ça aussi que j'ai voulu signer ici, parce que c'était l'un des coachs aussi qui me laissait m'exprimer. Et avec moi, franchement, j'ai pas de
j'ai rien à lui reprocher parce qu'il me laisse jouer. Il sait aussi me mettre des limites quand vraiment c'est un peu trop. Donc c'est ça que je kiffe. Contre Toulouse, j'ai mis 3-3 points de suite. J'ai pris un tir presque du milieu de terrain. Malheureusement, ça ne passe pas. Là, c'était gourmand. Heureusement, il était à plus 9. Sinon, il allait me tuer, je crois. Mais donc, ouais, franchement, il me laisse faire ce que je sais faire. Et c'est là-dessus que je suis le meilleur, tu vois. Donc, je kiffe jouer avec, enfin, ses consignes, jouer avec lui et surtout jouer avec l'équipe parce que c'est aussi l'équipe qui accepte aussi que je prenne des fois des tirs de merde, tu vois, des tirs qui sont pas forcément bons. Et c'est là-dessus que je progresse, mais je kiffe jouer dans ce style de jeu-là. On a joué 5 minutes. Des fois, on est tellement dans l'euphorie qu'on leur laisse des tirs ouverts bêtement, c'est pour ça qu'ils reviennent dans le match. On est trop dans l'euphorie, on veut trop aller vite et derrière, après, on se prend des contre-attaques, on replie pas assez. C'est la même équipe que Toulouse ou que Tours, les gars, c'est des mecs qui aiment courir. Si on les empêche de courir, ils peuvent rien faire en demi-terrain. Il faut continuer à revenir en défense, continuer de les impacter, et après derrière on peut courir. Mais si on revient pas en défense, derrière ça va être compliqué d'attaquer notre jeu. Tu vois qu'ils nous endorment. Ils jouent à 6, hein. Donc ils vont essayer de péter le rythme. Dès qu'ils peuvent, ils exploitent nos erreurs. Mais nous, tranquille en défense, parlez. Is this Olivier and Davis. And Davis who trying to go crazy, boys. Hey, focus defense on them. The other guys, they're mad, they're frustrated. They got fouls, they're not in the game. Alright, but Davis and Olivier, they out that motherfucker, they starting to get their rhythm. We get stops on them, the game's over. On peut pas aider côté ballon sur Davis qui vient d'en mettre un. Là, on a la chance, il met pas. Ils ont rien mis, hein. Ils sont qu'à moins 9, ils ont rien mis. Les gars, on peut pas, hein. Là, il devrait avoir 30 points. Donc, quoi qu'il arrive en deuxième mi-temps, ils vont tirer sans pression. Ils vont avoir des tirs à 3 points, ils vont les tirer sans pression. Yeah. Donc, ça rentre ou que ça rate, dans tous les cas, c'est la même chose pour eux. Donc, on peut pas les laisser prendre confiance là-dessus. Allez. Spacing, on est tous attirés par le ballon, là. Sur le deuxième quart-temps, c'est fouillis. Faut qu'on reste fluide, comme au début. La balle, elle bouge, les plays, des bons systèmes, des bons écrans. Et en défense, dès qu'il y a des stops, faut qu'on court. Quand on arrive à la ligne et qu'à 15 secondes, on n'a même pas encore en place pour le système, c'est chaud. Une valeur de 250 euros chez notre partenaire. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect. But I promise I'm repping the O to the dead. Ayy, oof, I sold them out of my way. I don't got nothing to say. Now they can't run at my pace. Yeah, they know that we ain't the same. 402, we rap the game. I told them this ain't a game. Yeah!
Thank you.
attendra avant ton entraînement. 20 minutes, je serai. Hey Chris, that's the dream, huh? That's the dream, you play basketball for games like that, boys. Good job, man. Mm-hmm. C'est bizarre ici dans ce vestiaire, on dirait pas. On attend. We wait on you, boss man. Guys! On attend ça là. Banjo! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ouais, y a plus d'énergie, je crois. Et les batteries faites. Whatever happened tonight. We won. Okay. It was not a great game. Hein. On a tiré à 20% à 3 points. On a tous besoin de fraîcheur, eux inclus. But guys, we won tonight. With that, for sure. At the end, we still want more balls. We jump on the floor, we communicate, and we made a lot of mistakes tonight. Hein. Y a jamais personne qui a engueulé personne. Nobody say, hey, fuck, you forgot to switch. Hey, make high. Hey, tune spirit, guys. Hey, you deserve what will happen the next week. Hein. We will play for the first position. It's a fucking dream, boys. It's a fucking dream, boys. Okay, guys. Yes! Let them know. Hey, of course. I give you 2 days off. Hein. Yeah. Hey, we will practice only one practice per day per next week. Okay. Hey, enjoy your days off. Good job. Good work, boy. You did it. Let's go. Dudes, awesome. On va parler un peu du haut de Parisienne. Je sais que t'aimes bien représenter ta nouvelle t-shirt là. T'as forcé pour aller changer, pour aller mettre. Qu'est-ce que ça représente le Hall Parisien pour toi et toute son équipe? Bah, le Hall Parisien, c'est déjà deux oncles, deux pères à moi qui ont créé ça, Bakary et Paul. Qui, au départ, bah, je les ai connus sur un projet pour partir à Dakar pour rénover des terrains au Sénégal. Et bah, j'avais quoi, 16 ans à l'époque. Et puis depuis, bah, on se quitte plus dès que je suis sur des day-offs, etc. Je suis toujours au bureau avec eux. Et puis bah, le Hall Parisien, j'ai commencé aussi en tant que joueur d'abord. J'ai fait 4 ans, c'est encore moi qui ai le plus grand nombre de sélections. Donc j'ai commencé en tant que joueur, j'ai été MVP en 2017. Et maintenant, bah, je fais partie de l'organisation. C'est avec Salimata, je peux même pas dire le rôle exactement comment on s'appelle, mais on gère tout ce qui est ouais, sélection, c'est voilà. Ouais, voilà, c'est juste ça. Non, mais c'est Sali qui nous envoie les paires gratuitement. Donc, non, mais ouais, donc le Hall Parisien, en vrai, c'est une grosse partie de moi parce que, bah, quoi qu'il arrive, même quand je suis ici, je suis toujours en appel avec Paul ou Bakary sur d'autres projets, etc. Et c'est plus global que le Hall Parisien. On fait plein d'autres trucs à côté. Et bah, ça me permet aussi de penser à autre chose, même si c'est dans le basket, de penser à autre chose que ma saison et mon métier. Rendez-vous en anglais. Rendez-vous. Destination promptée, mon gars. J'ai été jusqu'à avant que j'aille à Poitiers, j'ai fait toute la France pour faire des détections dans le centre de formation, j'ai jamais été pris. Puis au final ça marchait, donc je savais qu'à un moment donné j'allais avoir cette chance. Le championnat National 1 aussi, c'est un championnat qui donne ses chances parce que c'est un championnat professionnel mais avec moins de budget que la Pro B. Donc souvent quand il y a des blessés ou des mecs en moins, on ne peut pas les remplacer aussi facilement qu'en Pro B. Donc tu as souvent du temps de jeu qui peut être donné. Donc j'avais pas cette peur. À Roy au début aussi forcément, quand j'avais vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Mais puis quand j'ai commencé à montrer ce que je savais faire, je savais que j'allais trouver quelque chose l'année d'après et que progressivement j'allais pouvoir m'exprimer. Je pense que le fait qu'on a un groupe qui vit très 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 bien, qui s'entend vraiment super bien, ça joue énormément.
On est une bande de potes qui s'amusent. Et je pense que avant tout, le basket, avant d'être notre métier, c'est d'abord un jeu. Donc si tu t'amuses pas, tu peux pas forcément performer. Et nous, on s'amuse entre nous. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Surpris d'être deuxième, un peu, mais surpris de faire une bonne saison, pas tant que ça, parce que je savais qu'on allait, dès la pré-saison, on avait pu taper des gros comme Denain ou Le Havre. Donc non, pas très surpris que notre équipe tombe bien. So there's no difference now, except there's nothing to hide.